Olivier Vivant vous présente l'heure de la transformation avec le sacrificateur, l'apôtre banquier Kessé Joachim. Bonne écoute. Gloire à Dieu. Comme dit le thème, c'est qui suis-je? Tiré d'Exode chapitre 3, le verset 11. Exode chapitre 3, verset 11. À ce temps-là, Dieu s'était révélé à Moïse. Et Dieu avait demandé à Moïse de se rendre en Égypte. Et lorsque Dieu finit de présenter son projet à Moïse, Moïse va dire, mais qui suis-je pour aller me présenter devant Pharaon? Et donc, cette expérience de Moïse va nous permettre aussi de réfléchir sur notre propre vie. Et nous allons chercher à comprendre qui nous sommes. Et je prie vraiment que Dieu t'aide à comprendre qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas pourquoi il y a telle ou telle chose dans ta vie. Tu ne sauras pas comment faire le bon choix pour toi-même. Tu ne sauras pas comment prendre la bonne orientation. Alléluia. Si tu ne sais pas ta capacité, tu ne sauras pas tes limites. Donc c'est mieux, c'est bon de se connaître. Au travers de ce moment, nous allons lever le voile sur la crise identitaire que les chrétiens ont. Je pense que si nous pouvons résoudre ce problème, ça va aider chacun à pouvoir s'assumer. Et assumer sa destinée et ses responsabilités. Nous ne savons pas qui nous sommes. Et notre adversaire, le diable, il est en avance sur nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce que Dieu a placé en nous. Et il nous donne des coups farouches. Et nous ne savons pas pourquoi nous souffrons. Il est bon de savoir qui tu es. Même dans le choix professionnel, dans le choix du mariage, en tout cas, dans des choix importants liés à ta destinée, tu dois savoir qui tu es. Comme ça, tu sais avec qui marcher. Moi, j'ai beaucoup souffert de l'ignorance de mon identité. L'un des combats que chaque chrétien doit mener, combat personnel, combat interne, c'est le combat contre l'ignorance. La Bible dit, nous périssons parce que nous manquons la connaissance. La connaissance dont nous manquons, c'est la connaissance même de notre propre identité d'abord. Que le Seigneur nous aide au travers de cet enseignement. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit ouvre et enlève le voile dans ton esprit. Qui suis-je? Nous allons aller dans les Écritures. Et la première question que nous allons nous poser, qui est l'homme? Si je te pose cette question, tu vas dire non, l'homme,
C'est une création de Dieu. L'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Je sais que c'est ce que tu vas dire, n'est-ce pas? Ou bien à autre réponse que tu vas me donner. Au-delà du fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu. En dehors du fait que l'homme soit une créature ou bien une création de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de l'homme? Qui il est? Alléluia. Et pour répondre à cette question, nous partons dans la parole de Dieu. Alléluia. Lisez d'abord Genèse chapitre 1, verset 28. Lis le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Mm-hmm. Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme. Maintenant, les Écritures nous explique que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Genèse 2, verset 7. Et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. On va revenir à ce passage tout à l'heure. Dieu a créé l'homme en soufflant en lui un souffle de vie. Et l'homme a été fait avec la poussière de la terre. Ça, c'est clair et c'est net. Maintenant, allons-y dans Genèse chapitre 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse 37, le verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Nous allons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous allons dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 1, le verset 16. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa fosse. Dans ces différents passages, Dieu
essaie de communiquer dans un langage prophétique. God is trying to communicate in the prophetic language. Comment, en tant que Dieu, il voit l'être humain? How does he see mankind as God? Dieu présente l'homme comme une étoile. God presents man as a star. Et lorsque nous partons dans le Nouveau Testament, le dernier passage que nous avons lu dans Apocalypse, l'étoile, c'est un esprit. Alléluia. Donc, l'être humain est une étoile, un esprit vivant dans un corps. Tel que tu es assis là, tu es une étoile, tu es un esprit vivant dans un corps que Dieu a formé. Pour ceux qui sont avec nous longtemps, j'ai expliqué qu'il y a une différence entre la création et la formation. Adam et Ève ont été créés en même temps. Adam and Eve were created at the very same time. Mais Adam et Ève, leur existence en tant qu'être personnel a été différée. Quand la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme, ça c'était un fait accompli. Les deux ont été faits en même temps. Ils ont été créés en même temps. Mais pour que cette création devienne matérielle, que ce soit quelque chose qu'on peut appréhender, c'est là maintenant Dieu a pris la poussière de la terre pour donner une forme. Vous comprenez? Et de cette forme-là, Dieu a enlevé Ève après. Et ils sont devenus deux. Donc, le tout premier homme qui existait, il était deux personnes en un. Quand Dieu donnait l'autorité, tous les pouvoirs que Dieu donnait, Dieu était en train de parler sur l'esprit qui est créé. Ce n'était pas à la chair, à la matière que Dieu parlait. Donc Dieu a pris maintenant l'esprit pour déposer dans la matière. Et c'est là que la Bible dit qu'il a soufflé en homme et l'homme est devenu un être vivant. Quand vous lisez bien le livre de la création, dans d'autres versions, dans les versions 8 secondes, ça n'apparaît pas bien. Mais dans d'autres versions, le mot être vivant est traduit par âme. Âme. Et vous allez voir que lorsque on parle des animaux, dans ces versions-là, on parle des animaux aussi en disant que ils sont devenus une âme vivante. Maintenant, l'homme, les animaux ont une âme qui vit dans le sang. L'esprit qui est la partie divine qui a été soufflée en l'homme, c'est cet esprit-là qui fait de l'homme la créature supérieure. Donc, la différence entre toi et les animaux, ce n'est pas qu'ils marchent sur quatre pattes.
Ce n'est pas qu'eux, ils s'envolent. La différence entre toi et les animaux, c'est qu'en toi, il y a un esprit. Eux, ils sont un corps, ils sont une âme. Mais ils n'ont pas d'esprit. Parce que l'esprit est divin. Et c'est l'esprit qui ne meurt pas. Quand l'esprit de l'homme rentre en contact avec son âme, c'est l'esprit qui rend l'âme de l'homme immortelle. Parce que l'esprit et l'âme sont immatériels. Donc l'esprit qui est divin, qui vient d'en haut, quand il est rentré dans l'homme, la partie immatérielle de l'homme, qui est l'âme, cet esprit divin-là a rendu l'âme immortelle. C'est pour cela, quand on tue un animal, sa vie s'arrête là. Mais pour les hommes, quand on te tue, on dit ton âme va encore quelque part. Ton âme va quelque part à cause de l'esprit qui a fait même corps avec l'âme, puisque l'esprit est d'en haut. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'être humain est un esprit vivant que Dieu a fait descendre dans un corps matériel. Donc quand tu dis, je suis Kofi, je suis Kwadjo, ce n'est pas ta chair. Non, ta vraie personnalité, c'est ce qui est descendu du ciel. C'est ça qui fait ta vraie personnalité. Et c'est ça que Satan recherche. Pourquoi? Parce que le diable étant déconnecté de Dieu a besoin d'être connecté à une source pour avoir toujours de l'énergie pour être fort. Parce que lui, il ne peut plus aller sur Dieu pour se connecter là-bas. Alors que l'être humain, quand Dieu t'a créé, Dieu t'a donné l'autorité. Il t'a établi comme chef. Il t'a donné des pouvoirs. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela, les amis? Voilà pourquoi le diable a toujours besoin de l'homme pour pouvoir être fort, pour avoir de l'autorité. Donc, vous chrétiens, vous devez comprendre que, un, depuis la création, Dieu a donné l'autorité à l'être humain sur toutes les autres créatures. Mais l'autorité sur le diable, tu la reçois une fois. Ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. Tu la reçois une fois. Dès que tu te repens de tes péchés, en acceptant Jésus, en confessant tes péchés, automatiquement, tu reprends ton autorité sur le diable. Maintenant, tu peux dire à Satan, Monsieur Satan, c'est terminé. Je te commande de quitter ma vie. Je te commande de quitter mon territoire. Je te commande de libérer mon espace. Hier, je t'avais donné parce que j'étais ignorant. Aujourd'hui, je connais la vérité. J'ai regagné mon autorité sur toi. Alléluia. 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 Tant que vous marchez dans la volonté de Dieu, le diable ne peut rien contre vous. Alléluia. Dis avec moi, je suis une étoile. Dis avec moi,
Je suis un esprit. Je suis immortel. Je suis autorité. Je suis divin. Je suis divin dans un corps. Alléluia. Donc comprenez cela, cher ami. C'est cette partie du divin en nous que le diable recherche. Si tous les êtres humains pouvaient comprendre cela, et que chacun arrachait au diable ce qu'il lui a donné, oh, au bout de deux jours, trois jours, c'est fini pour le diable. Laissez-moi vous dire, cher ami, le monde des ténèbres, quand il regarde, ce n'est pas la chair là qui regarde. C'est l'esprit qui regarde. Ce qui ton corps spirituel. C'est ça qu'eux regardent. C'est à ça qu'ils ont affaire. C'est le corps spirituel qui fait le travail. Avant de voyager, ton corps spirituel est d'abord arrivé. Avant que ton corps physique n'y soit. Avant de donner quelque chose à quelqu'un, ton corps spirituel a d'abord donné. Avant que ton corps physique ne le fasse. Qui suis-je? Si ton corps spirituel n'a pas accompli une tâche, et puis tu veux l'accomplir par la chair, ça va échouer. Donc, le diable sait que ce qui nous donne de réussir dans la vie, c'est le corps spirituel qui est en nous, c'est le divin qui est en nous, qui nous donne d'être fort, qui nous donne de posséder, de dominer. Donc qu'est-ce que le diable fait? Il capture la partie spirituelle de l'homme. Cette partie-là, il va la capturer. C'est ainsi que ton âme est capturée. Ton esprit est capturé. Tu es dans l'eau. Tu es sur la terre. Parce que l'esprit peut vivre n'importe où. L'esprit est compressif. Et l'esprit est extensible. Ça veut dire on peut mettre l'esprit dans une petite bouteille comme ça. Le même esprit, il peut remplir toute cette maison. Là où ton esprit a été capturé, et puis tu es dans l'échec. Là où ton esprit a été capturé, et puis tu prends les mauvaises décisions. Là où ton esprit a été capturé, et puis ta vie est mélangée. La puissance de Dieu va atterrir là-bas pour te rendre libre. Pour te rendre libre. Pour te rendre libre. Je commande, c'est la puissance de Dieu créateur. El Elohim, Adonai, que sa puissance descende dans ta vie. Localise là où tu te trouves. Et te libère dans le nom de Jésus. Vous savez, les amis, tu es assis ici, mais ton corps spirituel peut être assis sur une montagne. On va te demander où tu es. Tu vas dire, je suis à l'église. Or, en réalité, tu es assis dans une forêt là-bas. La chose que tu dis que je suis ici, ça c'est la chair, c'est poussière. C'est la poussière là que tu entends dire que je suis à l'église. Ton vrai corps se trouve dans une montagne. Ton vrai corps est dans un canari. Ton vrai corps a été enterré avec ton père ou bien ta mère. Ou ton oncle. Ton vrai corps est dedans. Dans sa tombe. Ton vrai corps est dans un masque. Quelque part là-bas.
ton vrai corps est dans un bois. Ton vrai corps est dans une rivière. Partout ton corps spirituel se trouve maintenant. Je commande la puissance de Dieu que ce soit dévoilé au nom de Jésus. Que partout ton corps spirituel se trouve, que ce soit révélé dans le nom de Jésus. Et laissez-moi vous dire, maintenant que je te dis, là où ton esprit vit, va refléter tes réalités. Si ton esprit vit dans une maison de 4 mètres carrés, dans ta vie réelle, tu ne peux pas aller devant. Quand tu atteins les 4 mètres carrés, c'est là-bas que tu vas t'arrêter. Je commence cette nuit, si ton esprit était limité quelque part, que cette limite soit brisée dans le nom de Jésus. Et que je vous te dis, cher ami, quand le diable a capturé ton esprit, quand il a capturé ta personne pour mouvoir ton corps, il va faire descendre d'abord un autre esprit. Et tu commences à avoir des comportements que tu n'avais pas. Des manières de penser que tu n'avais pas. Regardez un monsieur comme le fou de Gadara. Un être humain qui sort de la ville pour aller dormir au cimetière. Et puis il était à l'aise avec ça. Quand même on essayait de l'attacher pour qu'il reste en ville, il voyait que les gens lui font du mal. Vous qui êtes-tu? Tous les matins, tu prends une heure du temps dans la douche. Tu maquilles tout. Joli cheveux pour les femmes. Very. Voilà, on met même couleur de la tête aux pieds. Pour les hommes, on met cravate. Jolie veste. Qu'est-ce que tu as habillé? Qu'est-ce que tu es en train d'habiller? Parce que ça, là, c'est enveloppe. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que tu es en train d'habiller? Un scorpion? Un masque? Un serpent? Qui suis-je? Qui es-tu? Tu es un esprit. Qui es-tu? Tu es une étoile. Que le Seigneur nous aide. Vous venez de suivre l'heure de la transformation. Nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alors, rejoignez-nous tous les dimanches de 9h à 12h pour le culte de transformation à l'hôtel du Dieu vivant en Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, nouveau CHU, route de Djorobité 1. Paix et vie.